12 promotions de l'École nationale moyenne d'administration, ENMA, allant de 2012 à 2023, revendiquent leur intégration dans la fonction publique. Dans cette déclaration, ces finalistes donnent un délai de 12 jours pour la publication du quota de recrutement pour le compte de l'année 2023. Vu les promotions cumulées des diplômés de l'ENMA allant de 2012 à 2023, nous, diplômés de la plateforme des collectifs des finalistes de l'ENMA, promotion 2012 à 2023, en instance d'intégration à la fonction publique, sollicitant du gouvernement, d'une part, la publication du quota de recrutement 2023 au plus tard le 10 novembre 2023, et d'autre part, des directeurs des écoles de formation professionnelle en général et de l'ENMA en particulier, ce qui suit. La prise en compte des collectifs détenteurs, des récépissés dans le partage du quota école campagne de recrutement de l'année 2023. La plateforme des finalistes de l'ENMA insiste sur la prise en compte de leurs doléances. Sollicitant l'implication des pouvoirs publics afin qu'une solution apaisée soit trouvée dans l'urgence. Car nous ne sommes pas ici à l'ENMA pour troubler l'ordre public, mais plutôt pour défendre nos droits dans la légalité. Toujours dans cette déclaration, les diplômés de la plateforme des collectifs des finalistes de l'École nationale moyenne d'administration mettent en garde toute tentative de confiscation du quota par d'autres plateformes.